Bon matin! Bon matin! Salut, salut, salut! C'était vraiment drôle, le petit vidéo hier. Et là, tu vois, c'est tout le temps salut, bon matin, bonsoir. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Hey, je vous laisse le temps d'arriver avec vos petits cafés en ce samedi matin. Vous venez peut-être juste de vous réveiller. Bon, faut que je dépose ça parce que sinon, c'est dangereux. Allô, allô! Je vous laisse le temps d'arriver encore un petit peu avant de commencer mon blabla. Mais en même temps, j'ai tout le temps le goût de commencer mon blabla quand même. Mais vous pouvez me dire un beau bonjour, comment ça va? Samedi matin, samedi d'un long week-end en plus. Vous avez sûrement des plans. Fait que dites-moi un beau bonjour quand vous arrivez. J'aime ça vous voir apparaître dans mon écran. Youp. En plus, là, on voit déjà le chandail. Bon matin, Véronique. Merci d'être là. Bon matin, Isabelle. À matin, là. Ce matin, là, je vous présente une petite folie que j'ai faite dans les dernières semaines. Ben là, ça fait plusieurs produits qu'on fait comme ça. Quand on produit... Allô, Marie-Pierre! Quand on produit nos vêtements, ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a des retailles dans comme nos placements, notre taillage de patron de vêtements. Fait que des fois, c'est des morceaux comme à travers les pièces. Des fois, c'est des métrages que il y a 1 mètre qu'on peut pas utiliser. Fait que, tu sais, on ramasse tout le temps ces petites... ces bouts de tissu-là. puis moi, dans le fond, je crée des vêtements, puis j'aspire à une meilleure consommation de la mode. Puis ça commence vraiment dès le départ. Ça commence dès la création du vêtement, soit la façon qu'on choisit nos tissus, la façon qu'on les travaille, la façon qu'on les coupe. Puis, une des trucs qu'on fait, c'est ça, c'est d'essayer de ne pas faire de gaspillage textile. C'est des textiles neufs, c'est des textiles de qualité. Fait qu'une fois de temps en temps, quand on a des bons morceaux, je suis capable de créer un produit à travers les retailles. Puis, ça fait quelque chose d'unique. Puis, ça fait quelque chose de très, très éthique qui correspond full à mes valeurs. Fait que c'est ce que je vous présente ce matin. Là, je suis là avec mon... Oups, ça shake! Je suis là avec mon chandail Eileen parce que je voulais vous montrer. Vous connaissez sans doute le pull Eileen. Là, c'est les retailles de ce pull-là. Fait que là, c'est la chose la plus confortable que j'ai jamais vue de toute ma vie et mon univers textile. Ce tricot-là, sincèrement, c'est la chose la plus confo qui existe. J'ai jamais eu quelque chose de plus confortable que ça. Ça se peut pas. Fait que je vous montre. Ta-da! Un premier crop top pour la gamme Marilou Design. Puis là, c'est une édition limitée, comme je vous explique. Ce chandail-là, il est fait à partir des retailles, fait qu'on peut pas faire une production complète. On peut vraiment faire une quantité limitée de chandail, fait qu'il y en a à peu près une dizaine. Il est en ligne en ce moment, fait que si jamais vous l'aimez, pas trop attendre. fait que c'est ça. Là, je vous montre le chandail Lydia, puis je vais vous présenter en quelques looks. Là, j'ai simplement un jeans noir, mais on voit ici là, la manche évasée qui est écourtée aussi, le chandail qui est crop top. Un premier crop top. Puis la couleur qui est magnifique, c'est la même, même, même couleur. Là, vu que c'est une... Oups, j'arrête pas d'accrocher le... Oh non! Mon zipper est ouvert! Oh non! Ça y est, j'ai fait une folle de moi. Mais non, c'est pas grave. Ouais. La couleur, c'est ça que je voulais dire. C'est le chandail Eileen en sarcelle. Regardez en dedans là, comment il est comme. C'est un petit polar, là. Il est vraiment très très doux. La couleur sur le site web, j'ai pris des photos vu que c'est une édition limitée. Tu sais, c'est pas un shooting officiel. Fait que j'ai joué la mannequin pour vous présenter le chandail sur le site web. Fait qu'en ce moment, le chandail Lydia est sur le site. Mais la couleur n'est pas parfaite. Là, je m'excuse pour ça. C'est vraiment des photos rapidement. Fait vraiment juste parce que c'est une édition limitée, fait qu'on n'a pas fait une grosse séance photo
pour une dizaine de chandails. Mais si vous voulez avoir la vraie, vraie couleur, c'est la couleur du chandail Eileen sur le site web. Allô, Lynn! Mon beau chandail Lucie est magnifique sur ma fille. Elle est très contente. Oh, c'est très hot! Merci, Lynn! fait que voilà, le beau petit crop top. Là, on voit que mon jean, il est à la taille, puis il n'est pas trop court, le chandail. Je mesure quand même 5 et 6. Fait que, tu sais, il se porte comme ça sans que ce soit trop dénudé, là. Il n'est pas trop bedaine. Il se porte comme ça. Je vais vous montrer comment le porter. Vous pouvez mettre des trucs en dessous. On peut le mettre par-dessus une robe. On peut le mettre de façon plus chic. Fait qu'un petit crop top avec les manches évasées. Puis c'est l'affaire la plus douce au monde, pour vrai. C'est l'affaire la plus douce au monde. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller changer les pantalons. J'ai mes bonnes nylon en dessous. Okay. Fait que je vais aller enfiler, premièrement, un autre chandail. Bon, là, c'est l'automne qui arrive. Alors, même si ce week-end, il annonce vraiment très beau, l'automne va quand même être à nos portes. Fait que là, je l'ai enfilé pour vous montrer. C'est pas nécessaire de montrer sa bedaine, mais si vous voulez adopter le look crop top, il est pas trop court non plus. Mais là, admettons que je voudrais porter un look un peu plus chaud parce qu'il va commencer à faire froid. Là, je vais juste rentrer le col roulé. Fait que j'ai mis un basic noir en dessous avec un petit col, un petit turtleneck. Ça va faire une super de belle superposition. Vraiment automnale. Le fait qu'il soit à la taille aussi, ça définit la silhouette, le petit chandail. Puis, ça fait un effet vraiment beau avec un chandail en dessous. Là, je pourrais ressortir mes colliers. Voilà. Fait que ça fait un superbe effet avec un petit basic. Là, j'ai un look totalement noir. Ça pourrait être d'autres couleurs. Ça pourrait être des tons de beige, des tons chauds terre. Là, ça pourrait être super beau. Allô, Alex! Fait que voilà, un petit look vraiment facile. Pantalon, un petit col roulé en dessous. La petite manche, elle est tellement belle. Moi, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Puis le confort, puis tout. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Fait que là, j'avais un jean. Fait que je vais juste enfiler un autre, un pantalon un peu plus habillé pour vous montrer qui le chandail peut faire à la fois très casual, à la fois chic. C'est quand même, le tricot, c'est quand même un genre de coton watté, mais il est très, très beau, très, très doux. J'arrête pas de le dire. mais tu sais, c'est un aspect coton watté, mais c'est un mélange bambou-coton. Il est vraiment très beau, très doux. Il a un petit effet. T'sais, il est vraiment une très belle qualité. Fait que ça se porte aussi un petit peu plus chic comme coton watté. C'est pour ça que le Eileen est si adoré. Fait que j'enfile un autre pantalon. Bon, voilà.
Ça a été long, mon enfant. J'ai enlevé le pantalon, les cols roulés. Alors là, je vais juste enfiler ma ceinture. J'ai mis un pantalon un peu plus habillé. On voit que j'ai un bonnet long en dessous. Fait que ça peut très bien faire au bureau. Là, tantôt, je vous ai montré avec un col roulé en dessous. Mais ça pourrait aussi être une petite camille là, sans manches, avec des petites bretelles fines qu'on ne verrait pas à travers, que vous rentrez dans votre pantalon. Mettons, si vous ne voulez pas voir la peau, puis vous allez quand même obtenir ce look-là sans vous dénuder. Sinon, c'est très beau aussi. Là, ça dépend vraiment à quel point vous êtes à l'aise. Voilà, je vais mettre un petit peu plus serré. Fait qu'avec un petit pantalon plus habillé, là, j'étais allée chercher un petit compteur de couleurs pour aller avec mes colliers couleur gold. Fait que ça fait quand même un look chic. Ça se porte super bien au bureau avec une petite botte. Pantalon un peu plus habillé, puis même si c'est un coton ouaté, c'est quand même chic. C'est vraiment du mou chic, hein? Fait que voilà mon petit look. Aimez-vous ça? Aïe, aïe, aïe. Les manches, merci. Ouais, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment très... tu sais, il est fait avec... puis en plus, vu qu'il est fait avec des petits retails, tu sais, il y a des coutures, hein? Là ici, couture là ici. Moi perso, je trouve que ça donne un petit aspect encore plus chic justement, vu d'avoir une petite découpe, une petite ligne sur nous. C'est juste un bébé détail super minimaliste, mais on dirait que ça lui donne un petit quelque chose de plus. Fait qu'il est vraiment. Il est vraiment nice. Ok, je vais aller enfiler la robe June. Je voulais vous montrer sur la robe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi avant de me changer? Ah oui, ça! J'ai enfilé une chemise que j'avais dans mon garde-robe ce matin, que j'ai amenée, un ancien modèle. Ça pourrait être super beau aussi d'avoir un petit col. Les manches sont superbes et la couleur, wow! Ah, oh, merci Madison. Magnifique. Merci! Bon, là, je m'amuse un peu. Tiens, ouvert ou boutonné. Voilà, ça pourrait être un beau petit pull à porter par-dessus une blouse. Voilà, là, je pourrais, j'ai pas rentré ma chemise comme il faut dans le pantalon, mais ça pourrait être comme ça aussi, ça fait un petit look super cute. On pourrait avoir une autre couleur de pantalon ou aller chercher un soulier un petit peu plus pâle pour fitter avec la blouse. La blouse, ça pourrait être beige. Je pense que là, j'en ai pas ben des blouses en ce moment. Mais le sarcelle, il fit vraiment bien là, avec... en fait, beaucoup de couleurs d'automne, là, ça fit avec les couleurs un peu terre. Là, tu sais, là, l'espèce de petit orangé brun, ce serait super beau. Un petit rouille, du beige. C'est sûr, c'est beau, du beige. Avec le pantalon Oli en beige. Et sarcelle et beige, c'est vraiment beau. Ah, je devrais vous montrer ça de même. Fait que, voilà pour la petite idée avec une blouse. Puis là, j'ai rentré la blouse dans mon pantalon, mais tu sais, ça pourrait être une jupe noire super classique. On laisse la blouse en dehors de notre jupe avec le petit crop top par-dessus. Ça pourrait être super mignon aussi de laisser dépasser la blouse. Là, moi, j'avais triché, hein. Je détriche. Ça pourrait être super cute aussi comme ça. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime vraiment l'effet que ça fait les manches évasées avec le petit crop top droit. Là. J'aime vraiment ça. La coupe est droite, là, by the way. Elle est vraiment pas moulante.
J'aime vraiment l'effet que ça fait. Si jamais vous avez une silhouette en A, que vous êtes tout petit des épaules, puis un peu plus large aux hanches, c'est une silhouette en A, ce genre de volume-là là, sur les manches puis sur le corps, ça peut vraiment comme faire une belle silhouette, puis un peu comme tromper l'œil, le fait que ça peut vraiment... C'est un beau volume en fait sur une tenue, là. Silhouette en I, silhouette en H aussi, ça met du volume. J'aime ça! Oh my gosh! Ok, je vais l'enfiler sur une robe. J'ai pas dépassé mon heure, hein, là. Je suis là puis je fais des niaiseries. Ok, je suis correct. J'ai pas dépassé mon heure. J'ouvre la boutique à 10 h, donc dans 20 minutes. J'ai fait un nœud dans mes colliers. Mes beaux colliers Millie Bijoux. Ouais, je rouvre la boutique à Québec à 10 h. De 10 h à 17 h, je suis ici en boutique pour vous accueillir. L'adresse 732 Avenue Godin. Vous pouvez venir essayer. Ben, la nouveauté, le chandail Lydia qui est en ligne, mais il va être en boutique aussi. Je me déshabille en même temps d'être ici. J'avais déjà des bonnets longs, c'est correct. Fait que oui, vous pouvez venir dans la boutique aujourd'hui jusqu'à 17 h. Puis, je suis là, dans le fond, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, les grandeurs, les couleurs, qu'est-ce qui fit pas. Si jamais vous avez un pantalon, vous cherchez quelque chose de spécifique, vous pouvez l'amener aussi en boutique. Amenez vos souliers aussi, si vous avez quelque chose de spécifique. Je suis vraiment là pour vous guider puis vous faire en sorte que vous trouviez une tenue qui vous ressemble puis dans laquelle vous vous sentez bien. Les points élites, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne en ligne, ça fonctionne aussi en boutique. Les points élites sont vraiment bien faits. Puis là, je voulais vous montrer. Parce que moi, j'avais vraiment très hâte de porter ça. Wouh! Je voulais vous montrer l'effet sur une robe. Je pense que c'est mon coup de cœur. Je vais mettre ma fameuse ceinture. Ouh, mes cheveux. Je vais passer ce matin. Oh, Marie-Pierre! J'ai hâte. Alors, là, j'ai peut-être fait un mauvais twist dans ma petite ceinture. Okidoki. Fait que j'ai cintré ma taille avec une ceinture. Puis là, je vais pouvoir venir taquer mon petit crop top dedans. Je fais ma petite boucle. Là, tu sais, je le laisse pas comme ça parce que je veux voir ma taille. Je fais juste le taquer de même. Voilà, fait que là j'ai enfilé la robe June noire. Là, ça donne l'impression que j'ai une jupe. Fait que vous pouvez reproduire ce look-là avec une jupe noire que vous avez déjà, ou avec une robe noire que vous avez déjà, ou avec la robe noire June, qui est, ma foi, tellement, tellement, tellement. C'est tellement passe-partout, là. Je l'adore. Je l'adore, la robe June. Puis le tricot, il est très, très. Je vais vous la montrer en bleu là, parce qu'en noir, on voit moins des fois là, à l'écran, mais elle a une vraiment belle texture. Juste une petite texture de rib fine, mais elle a quelque chose d'un petit peu soyeux, mais pas trop brillant. Pour vrai, là, quand vous la voyez en vrai, vous êtes comme toute flabbergastée. Puis souvent, vous commencez à collectionner les couleurs. C'est pour ça que j'ai rajouté la couleur bleue dans la robe June. Mais elle est vraiment super appréciée. Très, très beau passe-partout, la robe June. Fait que voilà! J'ai goût qu'il fasse frette quasiment pour rester habillée de même. J'ai un look super été aujourd'hui, mais tu sais, j'ai hâte à l'automne, mais je suis en même temps super contente qu'il fasse beau dehors, mais tu sais, je suis comme, hey, je peux-tu rester habillée de même, s'il vous plaît? Fait que voilà, c'était ça mon live ce matin, ma petite surprise. Vous m'avez répondu oui hier dans les stories pour que je vous dévoile
Cette édition limitée, là, je vous rappelle, il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité. Il est conçu à partir des retards de production de notre chandail Eileen Sarcelle. Ah, c'est vrai, je voulais vous montrer avec ça. Ça aurait été cute, le petit col en dessous. Ouais, fait qu'il est fait à partir des retards de production. Encore, j'ai accroché. Voyons, j'arrête plus. Ah, je m'excuse. De notre production de retard. Voyons, je sais plus comment parler. Pas une petite gorgée de café. Les retards de notre chandail Eileen Sarcelle, qui d'ailleurs, on a rajouté des grandeurs. Il nous manquait des grandeurs en inventaire, fait qu'on a fait un mini restock. Puis là, je crois que le chandail Eileen Sarcelle, qui est magnifique, je pourrais l'enfiler pour vous montrer. Il est disponible dans toutes les grandeurs de XM à la XXL, si je ne m'abuse. Je vais vous montrer le chandail Eileen. La robe June. Tu peux la porter avec une ceinture pour ajouter une petite touche de chic, mais tu peux aussi la porter sans ceinture. Quel beau nom. Oui, hein, Lydia? Très joli nom. Là, j'ai des lunettes. Ok, c'est correct. Fait que le chandail Eileen, qui est vraiment le petit détail là, à l'encolure avec le rib qui est magnifique, qui donne tout le chic à ce chandail-là. Tout le look, fait qu'il est vraiment facile à porter, mais il a un look très distinctif. Là, j'ai ma ceinture. Mais voilà, fait que j'en ai Aileen qui est vraiment un pull. C'est un pull mouchique, fait que tu sais, une belle emmanchure qui est comme. Qui se tient, là, tu sais, pour que ça soit plus chic avec les petits détails de rib, poignet et à l'ourlet. Il se porte vraiment bien, lui aussi. Autant cosy. Plus casual que chic, mais lui, si on veut le porter comme je faisais tantôt, faut le plier par en dedans. Voilà. Fait que ça, c'est le chandail Eileen. Wouhou! Qui est en sarcelle et en mauve. Bonjour. Alors, c'est ça. C'est tout ça que je voulais vous dire ce matin. Merci d'avoir été là. Petite gorgée de café. Cheers! J'ai hâte de vous voir aujourd'hui en boutique. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous ne connaissez pas encore le programme Elite, allez voir ça, l'onglet dans le menu du site web marudesign.com, l'onglet Points Elite. Vous gagnez des points Elite à l'achat. Vous gagnez des points Elite en laissant des reviews sur vos achats. Ça va vraiment vite ramasser des points Elite, là. Souvent, quand vous commencez à utiliser le programme Elite, vous prenez 2 minutes pour m'écrire, genre, waouh! J'ai donc bien des points! Fait que ça fait vraiment des beaux rabais, là. Laissez un review sur votre achat, puis prendre 2 minutes pour nous écrire des super de beaux mots, là, d'ailleurs. Je vous lis tout, puis je suis comme, oh, wow, c'est beau! mais tu sais, vous prenez 2 minutes pour faire ça. Nous, le programme Elite vous donne 500 points. 500 points, c'est 5 $, plus les points que vous gagnez à l'achat aussi, qui représentent environ 5% de remise, si je ne me trompe pas. Sur vos achats. Fait que les points, ils montent vraiment vite. Fait que pour vrai. Ah, puis il y a la référence amie aussi que je vous parle jamais. Trop de choses à dire. Très confort sur Aline. Oui, vraiment, Aline, il est vraiment confortable. Pour vrai, là, de tout ce que j'ai travaillé comme textile, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé dans ma vie le plus confort. Il n'y a pas plus doux que ça. Mélange de bambou puis de coton, on est bien là. C'est épouvantable. Fait que le programme Elite, oui, on gagne des points aussi avec la référence. Si jamais tu te promènes au bureau, puis là tes collègues sont genre, waouh, ton chandail Aline est donc ben beau. Tu peux y envoyer dans ton compte Elite, tu as un bouton générer un lien. Tu y envoies ce lien-là, elle va pouvoir cliquer sur ton lien, créer son compte Elite, faire des achats. Puis après son premier achat, vous avez toutes les deux 50 $ en points Elite. C'est un très beau cadeau pour vous remercier de partager votre amour pour notre marque, pour notre travail, pour notre passion. Fait que, référence d'amis, 50 $ chacune quand vous référez votre ami. Puis, vous pouvez nous laisser aussi des reviews sur Google pour gagner des points élite. C'est 500 points élite aussi, laisser un avis sur Google. Puis ça nous aide grandement aussi d'avoir vos avis sur notre fiche entreprise.
C'est full pertinent. Fait que merci d'avoir été là. Bonne journée à toi aussi. Là, Caroline, c'est Caroline, hein? J'ai comme peur de me tromper, il me semble que c'est Caroline. Ou Caroline, je sais plus. Fait que merci d'avoir été là pour le live. Chandail Lydia, il est disponible en ligne, en boutique aussi. Je vais aller voir l'inventaire en ce moment. Puis, si vous avez des questions, écrivez-moi. Bye, bonne journée!